I think we can go ahead and get started. Sorry about. Alors, nous pouvons démarrer. Désolé pour la pluie, c'est ça notre routine en Norvège. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à cette session sur la qualité des données. Ce que nous allons faire, c'est qu'il y a un certain nombre de présentations sur la qualité des données dans le monde. Et également, nous allons vous donner une mise à jour sur ce que nous faisons ici à l'Université d'Oslo pour soutenir la qualité des données. Et alors, une petite introduction. Je vais faire seulement 5 minutes au lieu de 10. Et puis, Kofi va présenter de Hills pour Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, pour la présentation par rapport à leur application de supervision de la qualité des données. Puis, il y aura la présentation de l'Éthiopie. Il a eu son visa à la dernière minute, mais il n'a pas pu venir. Il va faire sa présentation en ligne. Et puis, il y a John Perrington de CDC qui va nous donner des mises à jour sur son application. Et évidemment, nous allons avoir la mise à jour de l'Université d'Oslo. Alors, très rapidement, la stratégie de la qualité des données, c'est que si vous avez déjà suivi mes présentations, vous m'avez déjà entendu dire que la qualité des données, c'est le problème de tout le monde dans le système d'information. Si ce n'est pas le cas, alors la plupart des gens vont avoir des qualité de données très pauvre. Et c'est des problèmes que nous avons dans la vie tous les jours. C'est un échec pour ceux qui implémentent ces systèmes-là d'avoir toujours des problèmes de qualité des données. On accepte qu'il y a des problèmes de qualité de données. On a besoin d'outils pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. On ne peut pas se débarrasser à 100% de la question de la qualité des données. Alors, qu'est-ce que nous faisons pour soutenir les implémentations de DHIS2? Il y a quelques petites choses. Premièrement, et c'est après avoir fait des recherches, ça et là, après avoir vu les meilleures pratiques, ça et là, nous assurons que la vérification de la qualité des données a des outils produits par le DHIS2 et que cela est utilisé au niveau le plus bas. Nous voyons que faire la vérification de la qualité des données jusqu'aux individus qui produisent la qualité des données d'abord en premier lieu, c'est une très bonne stratégie. Plusieurs pays ont des difficultés pour régler les problèmes qu'ils ont. Et je peux citer quelques pays, mais je ne vais pas le faire. Mais pour régler les problèmes de la qualité des données, on a besoin d'avoir la signature du président, par exemple. Il y a les données qu'on reçoit et puis on fait la vérification de la qualité des données et puis on fait des comparatifs, mais on ne peut pas changer cela parce que les protocoles, les procédures, on n'a pas les moyens de changer cela. Ce que nous essayons de faire, c'est de s'assurer que vous avez des outils, vous avez des guides, pour pouvoir faire ces vérifications de la qualité des données autant que faire se peut. Nous encourageons à mettre à jour vos capacités pour pouvoir faire la vérification de la qualité des données et faire l'analyse des données. L'autre chose que nous voulons faire, c'est qu'on veut s'assurer que la qualité des données est peut-être détectée avec le DHIS2, parce qu'il y a la fonction d'aberration outlier qui permet de pouvoir les détecter. Et donc, ce n'est pas très difficile de détecter les questions de qualité de données. Si vous n'êtes, les questions de la qualité de données ne sont pas notifiées, c'est-à-dire que vous ne faites pas grand-chose. C'est pour cela. Nous avons vu plusieurs pays voir des aberrations dans leurs données pendant 4-5 ans. Maintenant, dans le tableau de bord, on a les aberrations, mais la personne appropriée n'a pas reçu les informations et les notifications à temps. Donc, c'est pour cela que les aberrations demeurent pendant un bon bout. Maintenant, nous, on essaie de s'assurer que les notifications de la qualité des données soient automatiques. Et je peux dire que toutes les notifications seront automatisées et vous seront envoyées via mail, via message WhatsApp,
qui utilise les notifications automatiques. Est-ce que quelqu'un a ce système? Une personne. Cette fonctionnalité, je vois une deuxième personne. Cette fonctionnalité existe depuis 7 ans, plus ou moins. Et c'est extrêmement puissant d'avoir la GS2 qui vérifie la qualité des données pour vous directement et vous envoie juste une liste d'aberrations dans votre email. C'est très, très puissant. Comme vous l'avez remarqué, on ne l'utilise pas souvent. Nous avons également des variables de vérification de la qualité des données et nous avons essayé d'échanger avec plusieurs par rapport au rapport des questions de données. On s'est rendu compte que les questions de données ne sont pas toujours utiles pour parler de la qualité des données. Donc, combien d'entre vous utilisent un système de rapport automatique, je crois, à plusieurs, parce que c'est standard. Dans plusieurs pays, ce qui se passe, c'est que vous mettez des procédures en place pour s'assurer que les données viennent à temps, mais vous n'avez pas les procédures pour vous assurer que les données puissent vous parvenir. Rappelez-vous, en DHCSE, vous ouvrez votre ensemble de données. Mais vous pouvez ne pas activer les notifications, mais vous n'en remplissez pas non plus de données. Et il y a certains pays qui essaient de optimiser l'espace. Ce qui fait que si vous ne voyez pas les données à temps, vous ne recevez pas les financements. Malheureusement, les gens ne voient pas les données. Ils veulent juste atteindre les objectifs par rapport aux chiffres. Et c'est tout. C'est très tragique qu'on néglige tant la qualité des données. Maintenant, il y a de nouveaux des mesures de la qualité des données et il y a des indicateurs. Et donc, nous allons entrer dans ces indicateurs en détail pour vous expliquer comment est-ce qu'on va utiliser ces programmes pour pouvoir atteindre les objectifs. Par rapport à ces indicateurs, c'est pour vous informer sur la qualité de votre donnée et vous dire si on peut même utiliser votre donnée. Est-ce qu'on peut avoir confiance en ces données? Je ne peux pas dire que telle chose est mieux ou pas. Il faut d'abord se fier à la qualité des données. Malheureusement, comme j'ai dit, il y a des données qu'on ne peut pas utiliser parce que vous ne pouvez pas dire que vos données peuvent être utilisées parce qu'il y a tellement d'aberrations dans vos données. Et donc, on peut partager cela avec toute la communauté DHSE. Il y a tellement de recherches là-dessus et parce que les données ne sont pas utilisables parce qu'on ne voit pas la qualité des données. Et donc, on ne peut pas utiliser ces données-là. Alors, nous avons travaillé avec quelques partenaires et sur de nouveaux indicateurs pour pouvoir utiliser les données. Donc, après cela, dis-moi, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut faire ces configurations. Alors, nous avons également une grande communauté de pratiques. La qualité de pratique est, pardon, la qualité de données est la lutte de tout un chacun et on veut s'assurer que vous puissiez partager votre expérience et votre expérience avec toute la communauté DHIS2 via la communauté de pratique. On a une communauté d'experts de données comme les administrateurs du DHIS2 qui s'occupent de la question de configuration. Et je pense qu'on aura moins de problèmes de qualité de données en tant que communauté. Et je crois que c'est cela. Alors, très rapidement, par rapport aux questions de qualité de données, dans ma dernière présentation, je ne vais pas faire une démo. Nous avons maintenant une application de rapport de l'OMS. Je ne sais pas si vous l'utilisez souvent. Je vois quelques mains de gens qui l'utilisent. Cette application, c'est une très grande opportunité pour nous pour qu'on puisse apprendre comment les indicateurs de qualité de données et
C'était des indicateurs puissants pour pouvoir vérifier la qualité des données au niveau le plus bas. Mais malheureusement, cette application est une vieille application. C'est pour cela qu'il fallait mettre en place une nouvelle application pour pouvoir générer les rapports de qualité de données que l'ancienne version ne permet pas d'avoir. Donc, si vous avez l'ancienne version de l'application de l'OMS, il faut vous mettre à jour parce que la prochaine version de notre application ne prendrait pas cela en compte. Maintenant, il y a les nouveaux tableaux que nous avons montrés le lundi. Il y a les graphiques qu'on vous a présentés et il y a plusieurs indicateurs de qualité de données qu'on va vous montrer. Il y a des directives qu'on va vous donner plus tard. Donc, je crois que ceci étant dit, nous allons passer la parole à notre premier orateur, Kofi. Bonjour, est-ce que vous m'écoutez? Je m'appelle Kofi de HIS, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. C'est moi qui vais prendre la parole au nom des membres de l'équipe qu'on voit à l'écran. Je suis heureux de partager avec vous notre expérience par rapport à la numérisation de supervision, pardon, et par rapport à la qualité des données. Voici un peu la table des matières. Je crois que vous tous, vous connaissez le RDQA, qui est l'ensemble de données Excel, d'outils de données Excel que vous pouvez utiliser pour faire des vérifications et faire le rapport sur la qualité des données au niveau des établissements sanitaires et même au niveau communautaire. C'est un outil typique qui est utilisé dans plusieurs pays et vous avez trois composantes et trois objectifs clés. Il y a l'évaluation de la qualité des données pour voir combien de fois est-ce que vous pouvez avoir confiance en votre donnée. Deuxièmement, c'est l'évaluation du système qui produit les données, qui est en train de produire les données, qui est en train de faire le rapport sur les données. Est-ce que vous avez le matériel? Est-ce que vous avez la connexion? Et ainsi de suite. Le troisième, c'est le développement d'un plan d'action pour améliorer ce système et améliorer la qualité de votre donnée. C'est ça, l'utilisation type. Et généralement, c'est en format Excel que vous avez sur votre ordinateur Windows ou MacBook. Et également, vous pouvez l'utiliser sur le terrain. L'objectif, c'est de vérifier la disponibilité des données à la source primaire, là où les données sont produites, sont enregistrées, ainsi de suite, mais également pour vérifier l'exactitude des données rapportées et ce que vous avez dans le système au niveau élevé, puis ensuite évaluer les six composantes fonctionnelles du système d'information sanitaire. Cela est utilisé dans plusieurs pays pour la supervision de routine, des données de routine. Et il y a également les points de contrôle ponctuels qui sont des fois au niveau national et également le Global Fund qui fait ses vérifications, ses contrôles ponctuels et ses contrôles ponctuels. Cela est utilisé dans plusieurs pays, compris le Mali, le Togo et la RDC, qui sont des cas d'utilisation et les exemples que nous allons vous présenter. Alors, ce fichier Excel a ses limites. Premièrement, le stockage des données. Dès que vous avez fini le stockage, l'ordinateur a les données. Mais si cette personne se déplace, on n'a plus accès aux données vu que c'est en format Excel. Deuxièmement, il n'y a pas de transparence dans la sélection du site où vous allez faire votre évaluation. Ce qui signifie que je peux faire un rapport et on a l'impression que le système est bon, mais je peux également choisir les lieux où je peux facilement aller pour ne pas avoir des difficultés. Ceci, ce n'est pas ce que je veux voir. Je veux voir où est le problème. Si je n'ai pas la capacité de choisir là où je vais, alors j'ai des difficultés. L'autre difficulté,
C'est la difficile, c'est le suivi des recommandations. En tant que gestionnaire, disons que j'ai fini une évaluation il y a 6 mois, je repars au même endroit et je vois les mêmes problèmes et je fais les mêmes recommandations. Maintenant, si je reviens encore 6 mois plus tard, je me rends compte que je vois encore les mêmes problèmes avec les mêmes recommandations. Alors, comment faire le suivi des recommandations pour s'assurer que les recommandations que je suis en train de fournir à la fin de ma supervision sont mises en application pour que lorsque je serai là quelques mois plus tard, je puisse remarquer du progrès? Alors, un autre problème, c'est le manque d'une vue d'ensemble des questions émergentes. Si je fais cette évaluation au Togo, par exemple, et je préfère l'évaluation en RDC et quelqu'un d'autre fait l'évaluation au Mali, comment on peut voir les questions émergentes si on n'arrive pas à mettre les données ensemble pour pouvoir faire la triangulation et voir les ressemblances et les dissemblances pour pouvoir résoudre les problèmes de manière optimale et de manière régionale. Voici les limites que nous avons vues de la version Excel, qui parle notamment de l'absence de transparence dans la sélection des sites et le manque de suivi des recommandations entre. Ceci étant dit, nous avons essayé de faire la numérisation des outils en utilisant deux composantes. La première composante, c'est l'application développée pour la gestion des supervisions, y compris la planification. Cela fournit une vue d'ensemble du calendrier de supervision, c'est-à-dire le site que vous allez visiter, la sélection des superviseurs et des équipes. Et donc, vous choisissez les 10 indicateurs à vérifier et les sources, notamment et également la sélection des installations à superviser sur la base de critères multiples. Maintenant, par rapport au programme de suivi et de surveillance, il peut s'agir de n'importe quel type de liste de contrôle. Vous choisissez ce que vous voulez vérifier, que ce soit la qualité du soin, la qualité des données. Vous pouvez vérifier votre donnée, évaluer votre site et voir également les recommandations qui ont été données dans le passé et quelles sont les recommandations qui ont été suivies, lesquelles n'ont pas été suivies. Donc, vous avez divers tableaux de bord et vous avez votre résultat agrégé. Voici alors la vue d'ensemble du calendrier et de supervision que vous avez lorsque vous êtes le gestionnaire du programme au niveau central ou vous êtes celui qui gère le système d'information sanitaire au niveau régional. Voici un peu le calendrier que vous aurez. Vous verrez les équipes qui iront sur le terrain, les dates où ils vont s'y rendre. Et vous avez également ces couleurs que vous voyez en bleu par rapport à ce qui a été planifié à la supervision, ce qui a été annulé, ce qui est en cours et ce qui a été achevé. Et vous avez justement ce graphique par secteur qui vous donne toutes les informations nécessaires. Maintenant, à part ceci, il y a l'application de planification où vous pouvez aller et la première chose que vous pouvez faire, c'est de voir si vous pouvez choisir les sites de manière hasardeuse ou vous vous basez sur des critères pour pouvoir faire les choix. Vous pouvez décider, par exemple, que non, je vais le faire au hasard dans 2 établissements sanitaires dans mes districts. Donc, j'ai 3 districts à superviser. Je choisis au hasard 2 établissements sanitaires dans ces districts et je vais à ces lieux. Mais je peux également décider que je vais voir top 5 de ceux qui sont les plus performants par rapport à la détection du malaria, du traitement de cette maladie qui est le paludisme, et je vois les niveaux de performance, ce qui signifie que je vais mettre dans mon application les critères que je veux voir, les indicateurs, par exemple le test et le traitement du paludisme, et donc je vois les établissements qui sont les moins performants. Donc, je peux avoir les 5 et je vois le moins performant pour aller vérifier le problème qu'il y a là-bas. Je vois les meilleurs qui en matière de performance pour pouvoir tirer le meilleur chez eux, pour pouvoir mettre cela en application chez ceux qui n'ont pas de meilleure performance.
On voit ici avec sur la capture d'écran à gauche, vous voyez la liste qui s'affiche. Et en vert, vous avez ceux qui ont de bonnes performances. Et en rouge clair, vous avez ceux qui ont les mauvaises performances. Vous voyez, on a peut-être les trois meilleurs en matière de performance et les trois qui sont pires en matière de performance. Donc ici, je vais choisir les trois qui sont pires et voir l'exemple de ceux qui sont bons. Donc maintenant que j'ai choisi mon site, je peux envoyer l'équipe. Je peux demander à Scott, Dr. Mania et telle autre personne d'aller sur un certain site. Je leur assigne des sites pour que je puisse voir la répartition de mon équipe pour s'assurer que mon équipe va là où je les envoie. Et là où je les envoie, je peux dire, par exemple, que je vois ceci sur mon calendrier. Et je peux voir les équipes et les assigner à un site. Et on va faire les planifications. Peut-être vous, vous devez aller ici, là, etc. Donc, j'ai toutes les informations sur mon écran. Donc, ce tracker, c'est la première partie de mon application. J'ai déjà planifié ma supervision. Je pars maintenant sur le terrain. Je n'ai pas Internet, peut-être sur le terrain. J'ai mon application Android. Je peux aller sur le terrain avec mon petit téléphone et j'ai toutes ces étapes. Quels sont les matériaux qui sont là? Je les vérifie. Qui sont ceux qui sont là-bas? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'ils font les choses comme cela se doit? Je fais la vérification, les registres, je les vérifie. Je vérifie les rapports mensuels. Je peux également faire la vérification dans le DHS2. Et puis, j'ai cette figure où je vois les mêmes indicateurs qui viennent de plusieurs sources. Alors, non, lorsque je vois mon formulaire de saisie de données, voici ma checklist ou ma liste de vérification. Peut-être je vais vérifier telle ou telle donnée. Par exemple, est-ce que l'indicateur 1 a été révisé? Est-ce que les données sont disponibles, oui ou non? Et je fais la vérification et en fin de compte, j'aurai ces graphiques qui viennent parce que les tableaux de bord sont configurés dans le système. Et à la fin, j'aurai ce tableau de bord et on voit clairement les six composantes et le niveau, le caractère approprié du système. Maintenant, quels sont les avantages? Vous avez les données qui sont disponibles et accessible à tout moment et à tous les niveaux. Vous pouvez les réviser, etc. Nous avons également la possibilité de pouvoir faire la supervision au réseau via les appareils Android. C'est très simple. Et vous avez également des tableaux de bord simples, intuitifs et dynamiques. Vous avez également un mécanisme d'archivage et de sécurité des données renforcées et les résultats peuvent être facilement utilisés et vous avez la possibilité de revenir et suivre les niveaux d'implémentation de vos recommandations. Et donc, je peux dire que ce n'est pas juste une question de données, on peut utiliser pour l'examen de la qualité des données. On peut l'utiliser pas seulement pour un programme, mais on peut l'appliquer à différents programmes. Et si, par exemple, je peux vérifier la vaccination et la surveillance des maladies, si je peux vérifier le paludisme et la nutrition, par exemple, je peux mettre en place un programme qui permet de je peux avoir plusieurs programmes, mais j'ai la même plateforme pour la supervision. Je peux également faire la vérification des programmes intégrés et je peux, par exemple, voir
superviser par exemple le sida qui est contaminé, qui est sur le traitement, quel est leur niveau sérologique. Je peux également l'utiliser pour la supervision de la santé communautaire. Nous l'avons fait en Côte d'Ivoire, nous avons mis en place ce système et nous avons mis en place le paiement des superviseurs et des travailleurs du domaine de la santé. Comme j'ai dit, je suis juste l'orateur de l'équipe que nous avons ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. C'est très rapidement, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous écrire. Nous avons la démo. Vous pouvez aller cliquer et regarder. Si vous avez besoin d'une réunion, on peut se rencontrer et voir comment est-ce qu'on peut travailler de concert pour le bien de tous. Vous pouvez venir me voir également, moi, mes collègues EDEM et ceux qui sont dans la salle. Merci beaucoup. So the topic is improving data quality in Ethiopia's healthcare Le system thème de ma présentation, c'est l'amélioration de la qualité des données dans le système de santé éthiopien grâce à l'application des HS2. Et nous pouvons commencer en disant que nous avons aussi des difficultés en matière de qualité des données. Pour l'introduction, je peux dire que l'Éthiopie a entrepris la mise en œuvre monumentale du HS2 dans plus de 30 000 établissements sanitaires. Nous avons un problème de son avec l'orateur. Et donc, le DHSD a révolutionné la gestion des données de santé et les capacités de prise de décision. Récemment, le ministère de la Santé a entrepris la mise à jour de la version des HS2 et la révision des métadonnées. Maintenant, l'évaluation a identifié des lacunes dans l'exhaustivité du contenu au niveau des établissements sanitaire. Le DHS2 manque d'informations sur l'exhaustivité des éléments de données individuelles. Donc, le problème, c'est que nous avons un problème d'exhaustivité des éléments de données et nous avons vu que la plupart des éléments de données n'ont pas été réglés. Scott parlait de la question de financement et le rapport de complétude des données. Et il y a les éléments de données que nous avons essayé de rendre disponibles. Nous avons un problème avec l'audio de l'orateur. Par rapport à la méthode que nous avons utilisée pour pouvoir résoudre les problèmes que nous avons, c'est que nous avons essayé d'évaluer les lacunes qui ont été identifiées en matière d'exhaustivité du contenu au niveau des établissements de santé et nous avons essayé de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place une application innovante en matière de complétude de contenu et introduire cela dans le DHIS2 par rapport à nos différentes interventions. Donc, l'application d'exhaustivité de contenu
a été introduit dans le DHIS2 et ça a été mis en place pour que le DHIS2 puisse également prendre cela en compte. Cela a fonctionné et cela parcourt chaque élément de données des données qui ont été choisies. Cela essaie de vérifier les valeurs qui manquent et ensuite cela calcule le taux d'exhaustivité et génère des rapports. Et après cela, le logiciel prend des mesures de correction via l'utilisateur. Maintenant, comment est-ce que cela fonctionne? Il y a d'abord on essaie d'évaluer les manquements, on calcule le taux de complétude, on a le rapport avant de prendre des décisions pour pouvoir résoudre le problème qui est en place. Alors, par rapport aux dimensions, les questions, c'est quoi, quand, où, l'ensemble des données et les unités d'organisation, puis les périodes. Ensuite, il y a maintenant le choix des utilisateurs par rapport à ces questions qui ont été posées et ça permet de pouvoir mieux évaluer les lacunes qui sont identifiées. Ensuite, on essaie d'appliquer les filtres sur la base des sélections des établissements de santé. Ensuite, les informations des utilisateurs qui ont à voir avec les unités d'organisation, on les sélectionne. Ensuite, on sélectionne la période. Donc, c'est ce que nous appelons la dimension du temps. Et ensuite, les éléments de données avant d'ajouter des filtres. Ici, vous voyez une petite démo de comment est-ce que cela fonctionne. Lorsque on sélectionne l'ensemble des données, le dataset, vous avez les périodes de disponibilité et les périodes choisies. Vous cliquez sur l'un ou l'autre et quand vous cliquez sur All, ça vous donne des données agrégées de chaque. Donc, après avoir cliqué sur le rapport, il y a le calcul du taux d'exhaustivité. Donc, cela a à voir avec les options attribuées, les combinaisons, les options de catégorie et maintenant les différents secteurs où il y a des lacunes. Ensuite, la prochaine étape, c'est la formulation des rapports qui parviennent à l'utilisateur. Voici l'exemple que vous voyez à l'écran par rapport à l'unité d'organisation et on choisit les valeurs. Ici, nous voyons un exemple de données. Ici, on voit la ville, on voit le taux de complétude qui change selon les périodes. Ensuite, on part à la prise de décision, on part sur le terrain pour faire la revue par les gestionnaires immédiats pour pouvoir améliorer la qualité des données. Ensuite, on a de bons résultats. Je vais parler un peu des résultats parce que nous avons essayé d'évaluer l'application par les experts DHISU dans la région d'Éthiopie et cela a fait l'objet de retours d'informations positives. J'ai une forte approbation pour son utilisation. Cela a également amélioré la qualité des données grâce à l'exhaustivité des ensembles des données et cela a permis une prise de décision éclairée avant de transformer les pratiques d'assurance de la qualité des données dans le système de santé éthiopien au niveau de la génération ou de la production des données. Maintenant, par rapport à l'implémentation, le ministère nous aide dans l'implémentation des DHIS2 et la phase pilote
va prendre en compte 30 000 établissements de santé en Éthiopie à la fin de juin de cette année et nous serons dans 483 hôpitaux, 3 874 centres de santé, 7 842 cliniques et puis 18 056 centres de santé comme dispensaires. Donc, nous allons essayer de régler le problème de fiabilité ou de qualité de données en Éthiopie via cette application que nous avons mise en place. Est-ce que nous pouvons dire en conclusion, cela répondra aux problèmes critiques de la qualité des données dans le système de soins de santé éthiopien. Cela aura un impact profond sur la précision des données, la précision, la prise de décision, l'optimisation des processus. Cela représente un saut substantiel dans les qualités de gestion des données de santé. Cela renforcera les capacités locales en matière de développement d'applications et de solutions personnalisées contribuent à la communauté du DHIS2 dans le monde. Donc, si vous voulez nous contacter, voilà la présentation. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est terminé avec notre orateur. On peut avancer. The magic glasses it's referred to here is an app that I developed that was really for evaluating a program Donc, impact. ici, on parle de l'évaluation de l'impact d'un programme. On a parlé avec Scott et on s'est rendu compte qu'il y a des domaines à aborder aujourd'hui, notamment la qualité des données. Alors, prochaine diapo. Une des questions que les gens ont toujours posées, c'est est-ce que nous avons pu améliorer la qualité des données et est-ce que c'est bien? Parce que si on dit qu'on veut améliorer, on veut améliorer, on donne l'impression que ce n'est pas assez bon, n'est-ce pas? Donc, on se dit qu'il faut utiliser les données telles que les données se présentent. Il y a des directives et l'OMS a donné ses directives sur la qualité des données et ceci ne donne pas les index pratiques dont vous avez besoin pour dire que les données sont assez bien. Donc, l'année passée, on a parlé. Donc, on va un peu se répéter par rapport au reporting. Voici des données sur le paludisme de l'un des pays que nous soutenons pour l'éradication de cette maladie. Et maintenant, on a les valeurs d'un district. On voit les gens qui se sont présentés premièrement, les cas de suspicion de paludisme, les tests pour le paludisme et ceux qui, pour qui on a confirmé le paludisme. Donc, on essaie de voir le pourcentage de patients qui, que l'on soupçonne avoir le paludisme. Et donc, on cherche le paludisme et on fait le diagnostic. C'est vraiment un ton très bas. Et pour ceux qui ont été examinés, il y a un résultat bizarre de ça, 26% qui étaient testés positifs. Alors, lorsque vous utilisez les données comme elles sont, c'est que voilà, la conclusion, c'est que le système n'est pas vraiment performant du tout. Ce qui se passe, c'est que bon, il y a un petit problème, désolé. Alors, on nous demande est-ce que on peut pas faire des rapports entre districts? Et donc, avec un taux de 97% pour les rapports, on se dit que c'est bien, c'est mieux, c'est de loin mieux. Lorsqu'on regarde le nombre d'établissements qui ont fait les rapports, on voit beaucoup de disparités. Au point que lorsque vous analysez les analyses, ça montre que les dénominateurs
et les numérateurs sont très différents. Donc, même si le taux de rapport est de 97, au niveau des indicateurs, on constate qu'il y a un grand problème. Donc, les établissements envoient les formulaires, mais si les éléments de données ne sont pas complétés, ça veut dire que les données ne sont pas bonnes, ne sont pas fiables. Ce sont des données mensuelles. Si vous analysez les données au fil et à mesure, vous allez constater le même problème. Donc, à gauche, ce que vous voyez, c'est un graphique des cas de paludisme. Si vous regardez les établissements qui n'ont pas produit de rapport chaque mois, ils l'ont fait ce mois, ils n'ont pas fait le mois prochain, on voit qu'il y a une augmentation de cas. Parce que ça veut dire que, au fil et à mesure, davantage d'établissements produisaient des rapports. Mais si on limite ça aux établissements qui ont produit des rapports régulièrement, on voit une tendance qui est très différente. Et donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup de différences. Alors, voilà la question qu'on se pose. Est-ce qu'on peut utiliser ces données sans les ajuster? La réponse est non. Si la question était, quelle région du pays connaît des cas de paludisme, là, on pourrait avoir une autre réponse. Si la question est nuancée, on répondrait non. Quels districts dans la région ont un taux élevé de paludisme? Quelle proportion de cas suspects ont été testés? Ainsi de suite. Donc, on n'aurait pas pu utiliser ces données si on s'était posé ces questions. Alors, pour déterminer quand est-ce que les données sont vraiment fiables, il y a trois indices. D'abord, il y a le taux de reporting et il y a également d'autres indices. On va donner des exemples. Et cela a été fait avec une application qu'on appelle Magic Class, qui se connecte, Magic Glasses 2, qui se connecte avec des HS2 et ça donne des données, ça envoie des données au niveau de RStudio et ça donne des données pour éclairer les décisions programmatiques. Voilà. Vous voyez un exemple, vers 2014, 27% d'établissements produisaient des rapports chaque mois. Mais en 2023, on était à 90,9% de centres de santé qui produisaient des rapports. Donc, beaucoup d'améliorations, beaucoup de progrès réalisés. Il y a encore du chemin à parcourir, mais il y a encore des problèmes parce qu'il peut y avoir des disparités. Mais ça aide beaucoup dans l'interprétation. Pour les établissements, ils ont le sens que voilà, les résultats qu'ils atteignent sont fiables. Pour les programmes de paludisme, ils constatent que voilà, les données en long terme peuvent être biaisées. Il faut également analyser les aberrations. Il y a beaucoup d'ensembles de données qui ont peu d'aberrations. Et lorsqu'on les enlève, ça peut améliorer le modèle. Souvent, cela se fait par eyeball. Mais ce n'est pas encore bien documenté. Si je cherche, par exemple, les aberrations, je peux en trouver à profusion. Alors, l'interprétation, c'est que pour les centres de santé où on avait plus de 90% de valeurs qui ont été entrées, il n'y avait pas de problème. Et pour le programme qui fait une évaluation et qui doit penser à toutes ces aberrations et les mesurer, et comme vous le voyez ici, ça montre l'ampleur relative de ces valeurs. En 2016, les aberrations représentaient 10,8%. En 2023, c'était moins d'1%. Donc, ce sont des avancées vraiment considérables.
Dernièrement, on a fait un indice par rapport au changement détectable au minimum. Le modèle suggère que pour chaque mois, voilà la valeur qui a été, la valeur qu'on attendait. On pouvait connaître, on pouvait facilement identifier les erreurs. Et si les données sont consistantes, et c'est facile à effectuer, à opérer des changements. Si une décision est liée à la taille de l'impact, si par exemple on essaie de voir l'impact d'un projet donné, si on essaie de voir si la supervision a vraiment de l'impact et qu'on essaie d'évaluer le niveau de changement auquel on s'attend, on peut utiliser cet exemple pour voir comment s'y prendre. Vous voyez. Si on retourne à l'année 2016, à moins que l'impact est plus important que 10%, vous n'allez pas pouvoir utiliser ces données pour vraiment constater ce changement. Si c'est plus important, vous pourrez voir l'impact. Donc, les choses se sont améliorées. En 2022, on est à 7%. Alors, j'aimerais mentionner que les audits de qualité de données, sur la qualité des données, qui sont faits de routine, c'est très important. Ce que je fais, j'utilise les données qui sont déjà dans le système, mais s'il y a un problème de saisie de données, ce n'est pas aussi utile. Donc, organiser ces outils au niveau des centres de santé, c'est très utile et je sais que les établissements sanitaires apprécient cela. Vous savez, des fois, c'est important d'analyser la qualité au niveau national. Ils font un système beaucoup plus élargi pour évaluer la qualité des données. DHSD a un potentiel pour une analyse très intéressante qui se fait au niveau des ordinateurs de bureau et qui peut, n'est-ce pas, donner lieu à de meilleures données pour la prise de décision. Donc, il y a le besoin de remplacer le reporting qui utilise des formulaires avec des éléments de données pour ce reporting et la détection des aberrantes pour souligner les bonnes données et les analyses seront améliorées. Alors, pour résumer, la valeur des données de routine dépend de son importance pour répondre aux questions du programme, mais non nécessairement de la qualité. Il y a le potentiel d'incorporer des concepts dans DHSD ainsi que de tirer profit d'ailleurs pour la manipulation des données et l'inférence statistique. Vous savez, nous n'avons pas attiré beaucoup d'attention sur la capacité d'utiliser ces données. Et je pense que c'est important vraiment de tirer profit des programmes externes comme R pour la manipulation et l'inférence statistique, comme je l'ai dit. Donc, si vous avez besoin davantage d'informations sur Magic Glasses 2, voilà, vous pouvez les trouver en cliquant sur le lien qui se trouve en bas. J'espère que la présentation sera également disponible. Et il y aura davantage de liens. Je vous remercie. The last bit of our presentation here. Just another shameless plug that we will be going through how we've converted some of these metrics that assess
Nous allons voir comment nous avons converti ces mesures qui montrent comment on peut voir si les données sont utiles. On va le voir dans la prochaine session. Hello? Okay, great. Okay, so I'm just going to give a bit of an update in terms of je vais vous donner une mise à jour qui montre ce que nous avons fait en tant qu'université par rapport à la qualité de données en particulier. Je vais passer beaucoup de temps en passant en revue ce qu'on appelle la boîte à outils de la qualité des données. Je vais expliquer les composantes et je vais vous faire une démonstration par rapport à ces différentes ressources. Et cette présentation est disponible sur DevTown. Vous pouvez alors y accéder facilement. Donc, un peu de background par rapport aux aspects sur lesquels nous sommes focalisés, par rapport à la qualité de données. Beaucoup d'approches se basent sur les directives de l'OMS, sur l'assurance en matière de qualité de données. Il y a également d'autres partenaires qui utilisent ces directives. D'abord, avec DHS2, il y avait un outil de qualité de données de l'OMS qui était disponible et qui était très populaire, mais nous sommes en train de voir comment on peut utiliser une autre approche. Et je vais vous expliquer comment. Il y a eu beaucoup de défis avec l'outil de l'OMS qui était utilisé avant. C'est pourquoi nous avons essayé de voir comment on peut revisiter cette approche. D'abord, c'était une application séparée qu'il fallait maintenir et on ne pouvait pas non plus enregistrer les analyses avec les tableaux de bord. Et chaque fois qu'on se connectait, il fallait savoir comment naviguer avec cette interface pour avoir les résultats escomptés. Donc, rien n'était automatique. Et donc, c'était difficile de savoir comment utiliser les filtres et comprendre toutes les terminologies qui s'y trouvaient. Alors, depuis lors, l'équipe travaille sur le transfert de toutes ces données dans DHSD Core pour ne pas utiliser une application Core et ainsi les avoir sur DHSD Core et dans les années à venir. Et Scott pourra peut-être me compléter. Et nous essayons d'utiliser une autre approche, un autre outil. Un outil qui pourra avoir plus de fonctionnalités. Il y a quelques lacunes qui vont rester et je vais vous montrer de quoi il s'agit. Pour résumer, nous avons développé une boîte à outils sur la qualité de données pour discuter les différentes mesures introduites, les différentes fonctionnalités disponibles. Il y a beaucoup de pièces et des directives qui sont disponibles. Donc, il y a de la documentation. Nous sommes en train de travailler sur d'autres matériels pour soutenir cette transition. Si vous êtes en train d'utiliser un autre outil, je pense que vous pouvez trouver des informations pour comprendre les fonctionnalités qui sont disponibles. Vous voulez, par exemple, vous former. Voilà, il y a des informations qui sont disponibles. Il y a des outils qui peuvent soutenir l'implémentation. Au niveau des pays, il y a une application pour la révision de la qualité des données annuelles. Il y a des outils qui sont en train d'être testés. Donc, il y a également une application pour soutenir la configuration par rapport aux aberrations. Je pense que Scott va nous montrer comment on configure cet outil. Il y a également quelques modèles et des checklists. Il y a un exemple des SOP qui définit les différents niveaux de ce système, ce qu'il faut faire au niveau des districts et au niveau des provinces. C'est juste un modèle. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble.
et vous pouvez l'adapter à votre propre contexte. Il y a également des checklists d'implémentation qui vont vous montrer les étapes que vous pouvez utiliser si vous voulez faire vos vérifications. Si par exemple vous voulez performer des vérifications au niveau des provinces, quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer? Donc voilà, on a développé cela grâce à l'aide du Global Fund. Pour soutenir l'implémentation, il y a beaucoup de fonctionnalités et ça a été combiné avec les fonctionnalités qui étaient déjà disponibles. Il y a des applications de notification qui étaient déjà depuis longtemps. Donc, on a essayé de combiner avec les fonctionnalités qui existaient déjà. Donc, les mesures qui existaient, c'est que les fonctionnalités qui ont été incorporées dans le toolkit, il y a les tableaux de bord, les notifications, la complétude des ensembles de données, ainsi que la rapidité, la régularité externe et interne à travers des règles de validation, la régularité ainsi que la précision des estimations des populations. Donc, voilà. Il y a beaucoup de nouvelles mesures qui ont été développées, qui ont été incorporées dans le toolkit. Par exemple, la complétude d'éléments de données. Il y a aussi unité d'organisation, du moins la complétude d'unité d'organisation, ainsi que le reporting des établissements. Il y a également la régularité des données relatives en utilisant les scatterplots. Et ce que nous avons fait, nous avons utilisé les mesures qui existaient, nous les avons combinées avec les nouvelles mesures et les nouvelles fonctionnalités, et nous avons décrit comment cela peut fonctionner ensemble. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer ces différentes composantes très rapidement, et je vais vous partager les liens. Si vous voulez davantage d'informations, vous pouvez nous contacter pour poursuivre la discussion. Vous pouvez également accéder à ces liens pour chercher des informations vous-même. Voilà. Alors, pour commencer, nous avons une instance de démonstration qui démontre les différentes fonctionnalités de ces, qui se trouvent dans des HS2. Je vais vous montrer quelques tableaux de bord que nous avons mis en place pour des fins de démonstration. D'abord, je vais réduire la taille. Alors, ça combine les mesures de différents programmes et ça inclut beaucoup de mesures que j'ai abordées tout à l'heure. Il y a également un autre tableau de bord pour le centre de santé. Je vais zoomer pour vous montrer les mesures qu'on a. Et donc, en utilisant les mêmes principes au niveau de tous les programmes. Ici, on se focalise par exemple à l'immunisation, mais on peut appliquer tout cela à d'autres programmes. Nous pouvons voir que certaines des mesures qu'on voit ici, par exemple la complétude que j'ai à gauche, vous pouvez voir le taux de reporting. Mais de l'autre côté, il y a la complétude de l'élément de données. Donc, on a parlé de Magic Glasses, donc ça prend en charge cette fonctionnalité, mais nous pouvons également la trouver ici. Il y a également d'autres moyens de mesurer la complétude des données ad hoc, si vous voulez par exemple utiliser les éléments de données pour un mois donné. Et ça peut se faire très rapidement si vous voulez. Nous avons également d'autres mesures ici, par exemple le reporting régulier au niveau des établissements sanitaires. Nous avons pu combiner tout cela ensemble. Vous voyez les différents aspects. Je ne vais pas tout vous montrer. Nous l'avons fait pour différentes mesures. Donc, vous pouvez avoir des variables variées pour visionner ces informations. Il y a également ces graphiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'outil présenté par ou proposé par l'OMS, ça se ressemble beaucoup. C'est les mêmes fonctionnalités. Vous voyez les diagrammes de dispersion. Et
Il y a beaucoup vraiment de liens entre l'ancien outil et ce nouvel outil. Donc, ce que vous voyez là, ce n'est pas vraiment une nouvelle mesure, ça existe depuis longtemps. La régularité au niveau du temps de reporting, donc la régularité au fur des années. On peut voir quelques exemples par rapport aux aberrations, donc l'identification des aberrations ou des données atypiques. Il y a également des exemples de données aberrantes. Ça permet également d'identifier les outliers particulières ou les aberrations particulières. Et vous pouvez les voir ici selon les périodes que vous avez sélectionnées et vous pouvez faire le suivi selon les aberrations que vous avez identifiées. Donc, c'est disponible au niveau du tableau de bord. Donc, je fais la sélection, voilà. Il y a également un tableau de bord exemplaire que vous pouvez consulter. Et donc, si vous voulez, par exemple, regarder les données au niveau de l'établissement sanitaire, par exemple, au niveau du district, et vous voulez vérifier les données qu'on a au niveau des districts, et vous pouvez y arriver. Nous avons ajouté quelques types de données qui seront très pertinentes. Donc, aujourd'hui, nous avons des informations beaucoup plus granulaires qu'avant. Par exemple, le taux de complétude, vous pouvez très facilement identifier les rapports qui manquent pour une période donnée. Et le même type de graphique, vous pouvez voir maintenant comment les données atypiques ou les aberrations impactent les informations que vous avez. Ici, nous avons... Nous voyons les calculs qui ont été faits. Et en dernier lieu, il y a un exemple appliqué à un programme. Nous pouvons prendre toutes ces valeurs et ces mesures. Et ici, j'ai beaucoup d'informations sur l'immunisation. C'est un sous-ensemble d'éléments de données, des indicateurs qui sont très utiles. Et nous avons des informations supplémentaires. Et certains types d'informations qui sont focalisées sur un programme particulier. L'idée, c'est de rendre les choses plus spécifiques et plus faciles. Voilà. Nous avons également l'application de reporting annuel. Pour ceux qui sont familiers avec l'outil de l'OMS, ça a cette capacité de produire un rapport annuel. Et ce que vous voyez, c'est une autre application. Et c'est disponible pour, n'est-ce pas, soutenir l'application qui existait depuis dans DHIS2 Core. Il y a des fonctionnalités qui vous permettent de visionner les données de manière similaire. C'est le même type de mesure. Et vous pouvez lire, vous pouvez ajouter des commentaires et vous pouvez également nous envoyer des feedbacks. Alors, pour soutenir l'implémentation de tout cela, nous avons développé quelques documents pour soutenir la compréhension de toutes ces mesures. Quelles sont les mesures les plus importantes et les plus utiles? Alors, nous avons des informations sur la saisie de données, mais aussi sur l'analyse de données par rapport à ces mesures, la manière dont elles sont configurées, elles sont conçues. Il y a bien sûr des directives. Il y a Scott qui va vous donner plus d'informations et ça vous montre comment vous pouvez vous y prendre, surtout lorsque vous êtes sur des DHIS2 pour configurer tout ce que vous voyez en son base. And similar on the analysis side, so a lot of the measures that I discussed were a bit more on the analysis side, and we have similarly. Donc, la majorité des mesures que j'ai abordées, ça se trouve dans le domaine des analyses, mais
Il y a également des mesures pour les autres sections. On a essayé d'incorporer différents exemples pour couvrir beaucoup de cas d'utilisation. Nous essayons de vous montrer tout ce que nous pouvons vous montrer à travers ce processus. Il y a également d'autres documents qui sont disponibles et vous pouvez vérifier. C'est un exemple de SOP. C'est juste un modèle. Ça vous donne une idée sur, n'est-ce pas, le point de départ. Mais si vous ne savez pas comment vous pouvez commencer, vous pouvez me contacter et je vais vous donner quelques idées. Il y a par exemple les responsabilités pour différents niveaux dans le secteur de la santé. Il y a également les différents outils et les différentes mesures qui sont disponibles en se basant sur ce qui a été sélectionné. Alors l'idée, c'est de pouvoir identifier spécifiquement, identifier les aberrations, identifier les données qui sont incorrectes et comme ça, on peut les corriger. Par ailleurs, nous avons d'autres opérations. C'est un exemple d'une liste de vérification au niveau de l'établissement sanitaire. Vous pouvez vérifier différents aspects. Vous pouvez également séquencer les activités que les gens doivent faire de manière routinière. Donc, voilà, ça concerne la collecte des données. Et maintenant, pour tout résumé, il y a cette liste de vérification des tâches et l'idée, c'est de mettre toutes les pièces de ces disparités par rapport aux informations. Nous savons que ce n'est pas vraiment aussi connecté que ça. Maintenant, comment introduire tout cela au ministère? Comment prendre les décisions sur les mesures à prendre et quel est le moyen rationnel pour configurer tout cela? Et nous avons également des estimations par rapport au temps à impartir pour chaque activité. C'est présenté dans l'ordre que nous avons suggéré. Et nous allons discuter de ce qui est rationnel et de ce qui ne l'est pas. Donc, on essaie de vous fournir le plus d'informations possible. Donc, vous n'êtes pas obligé de les prendre comme elles sont, vous pouvez les adapter à votre contexte. Et au niveau de la démonstration, vous allez avoir plus de détails et vous pourrez comprendre davantage comment, par exemple, le completed d'éléments d'information ou de données fonctionne. Donc, avec la démonstration, vous aurez plus d'informations. Alors, l'idée derrière cette boîte à outils, c'est de tout mettre, la démonstration et la documentation et les outils dans une même boîte pour que vous puissiez avoir accès à toutes les informations nécessaires. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Il y a beaucoup d'innovations en cours au niveau de la communauté DHSD par rapport à la qualité des données. J'espère que vous avez été inspiré. Je pense que ça constitue un vrai problème, je dirais, la qualité des données, et nous devons travailler ensemble pour surmonter cette difficulté. Vous savez, vous pouvez utiliser toutes les applications, vous pouvez utiliser Magic Glasses, vous pouvez utiliser les applications qui viennent d'être présenté. Donc, vous avez les outils pour surmonter les problèmes de qualité de données. Nous avons quelques minutes. Si vous avez des questions à présenter, n'hésitez pas. Des questions liées aux présentations que vous venez de suivre. Il y a une question sur Zoom. Comme je l'ai mentionné, nous n'avons pas vraiment pu garder l'outil de l'EMS, donc on va plus avoir l'outil de qualité de données de l'EMS dans la prochaine version DHS2. Donc on ne peut pas le maintenir.
Donc, mais nous avons toutes les fonctionnalités qui avaient dans cet outil, dans le visualiseur de données qui se trouve dans DHS2. Donc, vous allez avoir toutes les fonctionnalités qui étaient dans l'outil de l'OMS, dans les nouvelles fonctionnalités que vous venez de suivre. Vous pouvez utiliser le visualiseur de données, vous pouvez voir les analyses et les mettre sur les tableaux de bord. Donc, il y a tout dans DHS2. Je remercie Scott et tout le monde qui a présenté. J'ai une seule question et un commentaire. Ma question, vous savez, c'est vraiment intéressant de voir toutes ces ressources et j'aimerais savoir si vous avez un pool d'experts qui sont formés dans toutes ces applications qui sont dispersées un peu partout dans le monde. La deuxième question, c'est un commentaire et d'ailleurs, je suis impressionné par le projet sur l'application de complétude de données qui est mise en place en Éthiopie. Je pense que voilà, ce sont les utilisateurs, qui tirent profit de cette application. Donc, nous ne sommes pas en train de parler d'une couche qui assure la supervision. Donc, mais ce sont les utilisateurs au plus bas niveau qui vont tirer profit de cette application. Donc, pour répondre à ta première question, vous savez, toutes ces mesures sur lesquelles nous travaillons sont nouvelles. Nous avons fait une étude pilotée au Rwanda et à part cela, c'est juste quelques personnes qui peuvent vraiment configurer cela. Nous avons fait une démonstration en 15 minutes. Vous pourrez tous devenir des experts. Il y a une stratégie, un plan de travail pour continuer à déployer toutes ces capacités à travers les groupes ISP et au niveau des ministères de la Santé qui sont intéressés. Il y a des sessions de planification pour pouvoir orchestrer tout cela. On va avoir cette réunion cet après-midi et il y aura davantage d'informations par rapport à la stratégie d'implémentation de toutes ces applications que nous venons de vous présenter. Et il y a aussi une académie sur la qualité de données. Donc, si vous êtes intéressé, c'est en ligne. Et nous comptons organiser davantage d'académies sur la qualité des données. Voilà, merci. Merci à Kofi. Merci beaucoup. Merci pour vos présentations. Je m'appelle Richard Marjolas. Je suis basé à Islamabad et ma question est liée à la qualité de données. Je pense que l'utilisation des données, c'est l'un des aspects de la qualité des données. Si ce n'est pas utilisé, surtout dans des coins où nous avons des problèmes d'Internet, on sera obligé de faire des évaluations. Si on ne donne pas le feedback, les données ne seront jamais traduites en action de manière appropriée. Sous la perspective de DHS2, je pense qu'on peut intégrer d'autres mécanismes, par exemple, les connecter au PDF, aux réseaux sociaux comme WhatsApp. Et ça pourrait, n'est-ce pas, aider les établissements sanitaires qui devraient, n'est-ce pas, envoyer des feedbacks afin qu'il y ait des données beaucoup plus utiles. Je vous remercie. Vous savez, les mécanismes de feedback sont très importants. Nous devons assurer la qualité de données là où les gens passent le temps. Et ce n'est pas seulement à travers les tableaux de bord des HSD.
souvent ça ne passe pas par les tableaux de bord de DHSD. Il y a des outils de feedback au niveau de DHSD. Vous pouvez envoyer des emails, il y a également des connecteurs qui connectent DHSD à WhatsApp, à Messenger. Donc, vous pouvez utiliser tous ces outils pour envoyer des notifications. Nous devons nous assurer que nous envoyons les données aux endroits où les gens peuvent vraiment y avoir accès. Parce que si les tableaux de bord pouvaient résoudre tous les problèmes, ce serait la meilleure option à opter pour. Alors, félicitations pour le travail. Vous avez incorporé tout cela dans DHSD Core, mais vous savez, les aberrations constituent vraiment un problème. Et vous savez, les centres de santé subissent beaucoup de pression pour, n'est-ce pas, éliminer les aberrations ou les données atypiques. Je ne sais pas s'il y a une stratégie pour pouvoir le faire de manière plus rapide et plus appropriée. C'est très intéressant. Vous savez, les aberrations compliquent la situation. Tout ce que nous avons illustré, ça concerne les données distribuées. Et ça devient un problème, comme ça vient d'être dit. Les données saisonnières ne sont pas normalement distribuées. Ce que nous essayons de voir, c'est voir comment on peut incorporer et des modèles dans DHS2 qui sont susceptibles d'enlever le plus d'aberrations possible. Et comme ça, on sera capable de faire une analyse beaucoup plus complète. Donc, c'est quelque chose sur laquelle nous allons nous concentrer à l'avenir. Maintenant, comment on calcule les indicateurs de l'impact avec les aberrations? Est-ce qu'on doit d'abord enlever les aberrations, on les garde, ou on va essayer d'imputer une valeur beaucoup plus appropriée? Et c'est là que le modèle que nous avons présenté devient très, très, très utile. Très utile. Nous pouvons potentiellement produire un indicateur qui impute les aberrations des valeurs manquantes au lieu de les laisser là-bas. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. C'est également le troisième scénario. Vous savez, les aberrations peuvent être considérées comme des données à part entière. Donc, ça ne concerne pas la saisonnalité. On peut vraiment les garder. On peut les garder comme des données réelles. Maintenant, comment on va séparer les aberrations des autres données? Comment on peut savoir si il faut les enlever ou pas? Vous savez, on ne marque rien dans les HSD. On laisse les données comme elles sont. Je pense que il y a une perspective intéressante et on fait ce travail en Afrique du Sud. Vous savez, en Afrique du Sud, ils marquent les valeurs de données. Il y a cette fonctionnalité dans des HS2. Donc, on les aide à l'utiliser. Vous savez, mais vous pouvez marquer les valeur de données dans le formulaire de saisie de données dans DHS2, elle est marquée comme des données atypiques. Donc, vous pouvez également consulter les commentaires qui ont été entrés par rapport aux différentes données que vous avez dans votre système. Vous pouvez aller au niveau du formulaire et vous dites, voilà, il s'agit d'une aberration, et puis vous ajoutez un commentaire, et lorsque vous faites votre examen de qualité de données, vous pouvez faire un suivi qui va vous montrer une liste de toutes les valeurs de données qui ont été marquées comme des données aberrantes. C'est un seul pays qui le fait, et qui le fait depuis longtemps.
Et c'est bien institutionnalisé au niveau des processus, mais si davantage de pays aimeraient vraiment utiliser cette approche, on peut les aider, on peut ajouter davantage de fonctionnalités, et comme ça, ce sera possible d'envoyer une notification à l'utilisateur au bas niveau pour lui dire que voilà, il s'agit d'une valeur aberrante. Voilà, nous sommes au bout de cette session. On se retrouve après.